Dans l'émission Click présentée par Mouloud Achour, Vincent Cassel s'est confié sur ses habitudes lorsqu'il est en couple. Notamment sur ce réflexe qu'il a arrêté d'avoir. Plus la peine de le présenter. Après son rôle en 1995 dans La haine de Mathieu Kassovitz, qui lui a permis d'être doublement nommé au César dans les catégories meilleur acteur et meilleur espoir masculin, Vincent Cassel est devenu une véritable star. Et presque 30 ans plus tard, il continue d'être très actif, lui qui a récemment pris part à l'aventure Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, avant d'apparaître dans Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan de Martin Bourboulon, dont le prochain volet articulé autour du personnage de Milady sera prochainement en salle. Vincent Cassel, si est-il également une vie amoureuse animée. Il a été l'époux de Monica Bellucci, la mère de ses enfants d'Eva, née en 2004, et Léonie, née 6 ans plus tard, avant de devenir celui de Tina Kuneiki, avec qui il a eu une petite fille prénommée Amazonie, née en 2019. Dans Click ce lundi 4 décembre 2023, l'acteur s'est confié comme rarement sur sa manière de se comporter et d'être en couple. Révélant notamment à Mouloud Achour avoir pendant longtemps donné le code de son téléphone à la personne qu'il aime. J'ai arrêté, mais je leur donnerai, a-t-il déclaré. Une officialisation à venir ? Rappelons que ces dernières semaines, Vincent Cassel s'est montré très proche d'une autre femme que Tina Kuneiki. Il s'agit d'une jeune femme brésilienne, sosie de Tina, prénommée Nara Baptista. Il n'hésite pas à échanger avec elle sur les réseaux sociaux. Que ce soit des mots tendres, des déclarations, ou des compliments, lui qui écrivait un simple mais direct « toi » ou accompagné d'un smiley avec les yeux en cœur et une flamme, il y a 6 jours lorsque la jeune femme a publié de sublimes photos d'elle sur Instagram. Des clichés sur lesquels elle est enroulée dans les draps blancs de son lit. Précisons que depuis, ils se sont montrés ensemble pour la première fois via une photo d'eux, à l'occasion de l'anniversaire de l'acteur. On voit la jeune femme, posée sur les genoux de l'acteur qui l'enlace, tout sourire, avec la tour Eiffel en toile de fond. Rappelons que, si certains ont vu dans cette photo une officialisation de couple, rien ne permet encore aujourd'hui de l'affirmer. Just need